fait place avec 65e journée qui a rapport avec vendredi 26 mai 2023 qui c'est Archange Ange Dambia, Ange Dambia qui c'est 2M non c'est 2M A P I H A P I A H Dambia Dambia lui fait partie de 65e ange caractéristique c'est fontaine de sagesse. Et c'est que ça que l'ange, le messager Aziel t'a porté pour nous. Et j'aime dire que cette émission rituelle et prière est possible grâce à notre caméraman Ronelson, moi-même serviteur nous, Saint-Fleur Grégoire, et notre directeur, c'est Fidèle Pharisien, et Marceau Donley et Emile qui est toujours là avec nous. Parce que j'aime dire que son émission qui est là pour aider nous du côté spirituel, parce que nous, et qui fait partie de la radio Téléco Zéro, et nous aimons la connaissance. D'abord, nous sommes amis connaissance. Nous toujours chercher des détails et qui fait que nous venons à l'émission ça. Parce que l'émission ça, c'est une émission positive et tous les génies qui environ soit 360, ce sont des génies positifs là pour aider nous spirituellement. Parce que génie nous parle pas là, il y a un rapport avec le 60, c'est le 65e génie, Ange Dambia. L'Ange Dambia, cette caractéristique, c'est fontaine de sagesse. On parle de fontaine, c'est un package sagesse. Dambia, c'est que nous connaissons la prière, c'est une clé qui ouvre toute porte. Parler avec les génies, c'est important. C'est ça fait tout à l'heure, nous avons dit que. Et l'univers littéralement belle, au contraire, il n'est pas qu'à la par hasard. Quelque part, il y a des êtres surnaturels. Et la prière rituelle va permettre nous en connexion avec les génies, et génie qui a l'honneur en ce moment, c'est 65e génie, qui c'est 65, c'est Dambia, et caractéristique, c'est fontaine de sagesse. Pas oublier que avant que vous capable interpeller esprit ça cap vendredi 26 mai parce que c'est notre date sont capable interpeller certes les rapports deux bagarres obligé faire deux bagarres premier là qui ça c'est rituel là génie ça les marcher avec le rituel yod et l'offre faire rituel yod là et vous connaissez la prière sur vous connaissez prière là donc on est prière là nous parlons bon prière là t'allé mais rituel là nous compte qui ça rituel là dans l'émission précédente certes nous avons parlé de rituel là nous connaît et sous essayer aller suivre l'émission précédente ou après ça rituel là un bien rituel là qui ça nous t'a dit que une bagaille qui est important qu'on capable faire avant commencer genre de prière ça ou obligé entrer dans lieu sacré pour que cinq personnes pas capable déranger ou essayer et déshabiller mettre en rade et t'es capable dire une robe blanche ou blouse blanche sur même genre docteur ou besoin qu'on foule la bleu dans cou et ou en dans sec cabalistique là qui ont grand sec un petit sec qui constitue qui ont trois triangles qui gonflent qui s'orientent vers l'est puisque et c'est et génie ça il y a un rapport avec rituel de yod. Rituel de yod, c'est flèche à force s'orienter vers l'est et ça permet ou retrouver du reconfort moral physique puisque ou avoir des fluides positifs cap entrer dans roue puisque machine là flèche là il s'orienter vers l'est puisque rituel de yod là il y a un rapport avec l'est. Et pas oublier, une détail qui est important, rituel de yod là, il symbolise le désir de briser le mal. Le désir, il symbolise le désir de briser le mal. Et il faut toujours mettre tête en condition et pour capable faire. Parce que la prière est importante. La prière lui permet ou, comment dirais-je, relier aux puissances spirituelles, aux anges, afin ou capable et comment dirais-je, retourner. De voir vers le monde et la prière sont force qui permet en connexion avec les esprits et esprits yo là pour aider parce que c'est ça ange Aziel te dit dans le message pour cela
nous allons entrer sans plus tarder parce que nous voyons que le génie qui c'est 65e génie qui c'est d'Ambia, après, que, après avoir effectué le rituel de Yod, rituel de Yod là, qui ça me dit que on prend un mien, on prend un bouquet qui gonfle de l'eau là-dedans et on verse un robinet, on lave mon, c'est comme c'est raison de porter mystique là-dedans. Les permettre pour retirer des idées négatives, des mauvaises pensées et au côté de l'eau couler dans mon comme si de façon mystique pour recevoir la bienséance, bonheur des eaux célestes et par la suite pour recevoir des eaux célestes et par la suite et au juste fin faire ça ou regagner lieu de prière là qui s'allie le regagner lieu de prière là certes ou décider regagner le lieu de prière là et ou juste entrer dans le cercle kabbalistique et flèche à souhaiter vers l'est puisque tu as la guerre pour avec l'est tu as le yot et ou juste lumière baleine et ou fait mesure ou dit que la lumière soit l'infini longement c'est comme si on recevoir fluide là lumière baleine non. Et l'infini fait ça ou juste ouvert des mots chaque mion du côté de l'extrémité du cercle kabbalistique là et puis sous gauche on met tête du côté gauche sous droite on met tête du côté droite et pour mettre cœur tout au même en condition pour recevoir ou pour adresser prière là avec le 65e génie qui c'est d'Ambia qui c'est des caractéristiques de ces fauteuils de sagesse on va réciter prière là pour et prière qui a rapport à génie mais c'est compénétration je suis en toi et toi en moi ne gaspille pas les énergies que je te donne ne les use pas en vain de façon triviale dépense-toi au service des autres et tu seras entendez dépense-toi au service des autres c'est que ce sont de bonnes choses positives naturellement automatiquement abondamment récompensé mais n'utilise jamais l'énergie la force divine, exploit sportif et autonomie sans but créateur. Car, dans ces cas, tu gaspillerais un capital qui ne t'appartient pas. Et cela aurait de très fâcheuses conséquences. Se fatiguer en courant, sans but, ne peut apporter la santé. La maladie est la conséquence de l'affrontement entre deux pouvoirs. La lumière qui descend d'en haut et l'obscurité qui vient d'en bas. Par la lumière, étude en action, l'obscurité est éloignée. Tout est possible à chacun, par un acte conscient de la volonté. J'offre tout le savoir et tout le pouvoir à tout ce qui désire l'offre aux autres, à tout ce qui désire l'offrir aux autres. Car tu ne peux recevoir que ce que tu veux donner. On pas capable de recevoir sans pas capable. Sous cas recevoir faut capable. Et tu ne peux apprendre que ce que tu as envie d'enseigner. On pas capable d'apprendre, on va pas enseigner. Si vous voulez apprendre, il faut capable d'enseigner. Tu portes Dieu en toi, tu es Dieu comme moi. Ça, c'est un genre. Il dit, comment je peux bien t'aider? Seulement en te disant, comment je peux bien t'aider? Lise seulement en te disant que tu as autant de pouvoir que moi. Seigneur d'Ambia, premier ange, qu'arrivera-t-il de moi si je gaspille mes réserves d'énergie? Nécessaire à mes actes essentiels, vitaux. Car c'est toi mon unique fournisseur de force. C'est toi qui nourris le monde. Je me rends compte à présent que nous, les humains, avons la liberté de choix. Et je promets devant toi que de Zomer, je me consacrerai à mieux progresser, à progresser rapidement. En employant toujours à bon escient les énergies
les forces offertes gratuitement et à volonté. Par trois éthers divins, compère les anges. J'ai compris que l'énergie est une, malgré ses différentes formes et ses différentes manifestations morales, mentales, constituées ou physiques. Je respecterai ce don sacré et ta volonté sera la mienne. Je respecterai ce don sacré, ta volonté sera la mienne. Pour mon progrès et la gloire du Créateur et de la création. Ça, c'est prière. Moi, c'est avec le 65e génie qui s'est d'Ambia. Et sans plus tarder, tu essaies d'aller faire un geste sur lui. Et nous, je dis non, essayez d'aller. Parce que nous, jeudi 26 mai 2023, l'ange et vendredi 26 mai 2023, caractéristique l'ange qui c'est d'ambiance, qui c'est fontaine de sagesse, c'est que des fontaines richesse sur lui qui s'altère et symbolise la capacité de notre source d'eau de vie, qui parle de la vie. Et les anges qui viennent du côté de féminine, les gens bonté la moulakani, et les gens habitués à neutraliser charme. C'est un homme charmé, un garçon qui sent le prendre charme, qui sent les cartes toujours adressées, que l'ange d'Ambia, le 65e ange qui a rapport avec le cycle kabbalistique. Certes, j'aime dire non, c'est prière pour adresser l'ange d'Ambia, cap vendredi, cap 26 mai 2023. Et caractéristique, c'est fontaine de sagesse. C'est sûr que moi, sentim content que tu es avec nous là pour dernière vidéo ça qui a rien à voir avec le 65e génie qui c'est d'Ambia, certes. Et merci encore une fois avec notre caméraman qui est toujours là dans studio qui pour bail bon service, c'est Ronelson, pour superbe, sublime et vidéo ça yo. Et côté que n'a parlé de choses positives, de choses qui capable permettre de trouver du confort et de la du bonheur d'esprit, parce que même j'ai que n'a terminé prière ça et par le Seigneur qui dit que tout ce que vous demanderez dans la prière, croyez que vous l'avez déjà obtenu, car cela vous sera accordé. Ça, c'est au propos de ces marques. Tout ce monde est dans la prière, on met quoi dans la tête pour qu'on puisse se voir. Puisque Aziel est là, il fait partie de messagers qui permettent de partager. J'ai envie de connaître ça avec vous. Merci. À demain pour l'autre si belle émission, ce qui est basée sur rituel et prière.